Good morning, Aleiden, les suites aujourd'hui, le Lune Shemat Chayester, Bat Myriam, ainsi que l'Irfouat, Olivier Israël Shimon Ben Chayester, Khamshat Myriam, Bat Rosalena, et Benjamin Ben Chabiba, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, qu'on a quitté les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Shabbat, Perek Rabdalet, Mishnah Bet, Matirin Pekir'e Amir, Lifne Behema, Mumefas Fesin et Akipin, Avalo et Azirin, En Meraskin, Lo et Ashachat, Velo et Acharuvin, Ifne Behema, Ben Daka, Ben Gassa. Rabbi Yehuda Matir Becharuvin la Daka. Bon, une Mishnah qui va pas. Pour les trois prochaines Mishnayot, on va parler d'abord de l'entretien des animaux à Shabbat. Comment leur donner à manger plus précisément? Quel type d'aliments? On va voir exactement. D'une manière générale, on va dans notre Mishnah par exemple, même ça va revenir dans les prochaines un peu. Le principe par exemple de ne pas trop se fatiguer. C'est-à-dire qu'il faut lui donner à manger certes, mais sans trop de fatiguer. C'est un peu les deux pôles qu'on a parce que. Plus on va se fatiguer, plus la nourriture sera meilleure. Donc en fait, quelles sont les actions que j'ai le droit de faire ou pas pour avec les aliments, avec la nourriture des animaux, pour leur présenter une nourriture agréable. Et maintenant, on va entrer dans des termes techniques, on va les expliquer très rapidement, mais d'abord, je préfère poser le principe. De manière générale, il y a des aliments, par exemple des bottes de paille, par exemple, qu'en l'état, l'animal, ça ne le tire même pas. C'est pas encore considéré comme de la nourriture pour lui. C'est une botte de je sais pas quoi. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'arôme, il n'y a rien du tout. Et du coup, alors on va se retrouver avec différentes situations qu'on va parler. Il y a ce qu'on appelle matir, c'est-à-dire d'ouvrir les nœuds pour lui étaler un petit peu la nourriture, juste ouvrir les nœuds des bottes. Ou il y a ce qu'on va appeler le pispousse. Mais face fessine, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est qu'on les aère bien, et comme ça commence à dégager de leur arôme, leur saveur, comme ça, l'animal est encore plus attiré à bien les manger. Alors maintenant, de manière générale, ce qui n'était pas considéré comme mangeable, j'ai le droit de le rendre mangeable, même si ça va me demander des efforts, parce que là, je suis en train de donner à manger à mon animal, c'est permis, mais par contre, ce qui est déjà mangeable, mais que je veux l'améliorer pour que ce soit encore plus agréable, ce sera assourd. C'est l'axiome essentiel qu'on va te retrouver dans toute la Mishnah. D'accord? Selon ce principe, maintenant, je vous le fais d'abord alors à la première partie de la Mishnah. Les Pkié Amir, ce sont des bottes de foin, de paille. Alors les bottes de paille, tant qu'elles sont encore en bottes, entre parenthèses, on va le voir dans la Mishnah, on peut l'attacher soit avec deux nœuds, soit avec trois nœuds. Lorsque je l'attache avec trois nœuds, c'est encore plus écrasé. C'est encore moins de la nourriture. Ouais, il y aura malgré tout une petite différence entre eux. Le principe sera exactement là, la halakha sera le même. J'aurai le droit d'ouvrir les nœuds et je les laisse tomber comme ça, tel quel, mais je n'aurai pas le droit de commencer à les aérer et pour qu'ils diffusent leur saveur, étant donné que par le simple fait que tu les ouvres, ça devient de la nourriture maintenant mangeable par l'animal. S'il n'est pas difficile, eh ben, il va les manger sans problème. À la différence par contre des etz erez, alors erez c'est le cèdre. J'imagine que c'est une sorte de sapin, je ne sais pas quel animal mange ça exactement, mais en tout cas des petites branches fines de sapin qui sont mangeables, que dans ce cas-là, on les amène en botte, il n'y a pas de saveur, tu les ouvres, il n'y a toujours pas de saveur, l'animal n'est pas attiré par ça. Nafsho katsabaim. Le partenaire nous dit, il est katsabaim, ça ne lui dit rien, jusqu'à que tu vas commencer à les aérer. Et alors là, dans ce cas-là, tu vas le transformer en nourriture agréable pour l'animal. Et alors là, on aura le droit de faire cette action à Shabbat, même si ça demande de la fatigue, ouais. Même si ça demande beaucoup d'efforts pendant Shabbat, parce que, selon le même principe, de 0 à 1, t'as le droit, de 1 à 2, t'as pas le droit. 0, c'est quand c'est pas l'animal, c'est pas encore de la nourriture. T'as le droit de le rendre nourriture, même si maintenant ça va demander beaucoup d'efforts. Une fois que c'est déjà de la nourriture, t'as pas le droit de faire des efforts pour que ce soit encore plus agréable pour l'animal. Et je traduis directement, Matirin qui est Amir, on a le droit d'ouvrir les nœuds, les hatir. Cochère ou matière, ouais, vous vous rappelez dans les Melachot. Matirine, on a le droit d'ouvrir les nœuds des Pkié Amir, des bottes de Amir. Le Bartanoura nous dit Kachin Shel Shibolin. Ce sont des pailles de Shibolin, d'épi, quoi. D'accord? Donc on a le droit d'ouvrir les nœuds. Lifnei Behema, devant un animal. J'ai le droit d'ouvrir les nœuds. Mais par contre, j'ai pas le droit de les étaler, par contre. Ou Mefas Fessin et Akipin. Par contre, les kipines, le Bartanoa nous dit, regardez, c'est Anafim Lachim Shel Erez. Ce sont les petites brindilles fraîches de Erez, de cèdre.
Alors là, tu as même le droit d'être mefasfes au tam, de les étaler, de les aérer. Par contre, avallo et azirin. Les irin, c'est la même chose que les petits amir, comme il nous dit le Bartonnant, cette fois-ci seulement il y avait trois nœuds. Par contre, même le chidouche, on est venu t'insister en disant, même s'il y avait, c'était pas du tout mangeable tant que c'était fermé. Mais dès que tu as ouvert, c'est devenu mangeable. Donc dès que c'est mangeable, c'est fini, tu n'as plus le droit de faire d'autres efforts pour améliorer la nourriture. Selon le même principe maintenant. En meraskin, lo et achachat, velo et acharouin, il finit à bema. Le shachat, shachat c'est la. Lorsque les céréales poussent, dès qu'elles atteignent le tiers, alors on avait l'habitude de les couper. Et après, ça fait qu'après, ça, la deuxième pousse était beaucoup plus forte. D'accord? Ce qu'on coupe là, cette première coupe qui est au tiers, c'est ce qu'on appelle le shachat. C'est une sorte aussi de petite paille, de petite foin, je ne sais pas quand ça pousse exactement. Alors, ça, et c'est de la nourriture d'animal. Donc, tu les as coupés, tu les as cueillis, c'est ce qu'on appelle le shachat, ou bien les charouvin, c'est le karoub. Charouv, karoub. Et bien, la Mishnah me dit, ben, tu as le droit de les donner à manger à l'animal, ça n'y a pas de problème, tu les mets dans lui. Mais tu n'as pas le droit d'être mis à sec au table, de les moudre, de les écraser. D'accord? C'est pas le seul problème de ça, hein. C'est un problème de fatigue pour rien, étant donné que c'est déjà de la nourriture, comme nous le dit le Bartonora. Tircha shelo letzorechu, c'est une tira qui n'est pas obligatoire. Ben daka ben gasa, qu'il s'agisse d'un menu bétail ou d'un gros bétail, tu n'as pas le droit de faire ces actions parce que l'animal il peut déjà se débrouiller et les manger. Rabbi Yehuda matir becharouvin la daka. Rabbi Yehuda dit non, dis-moi, là cette fois-ci 2 minutes. Pour les charouvin, pour le menu bétail, là je te permets de les moudre, de les écraser pour les donner à manger à l'animal. Étant donné que cette fois-ci, pour lui, il a des petites dents, mais il n'arrive pas à les mordre normalement, c'est pas encore de la nourriture, donc tu as le droit de faire l'effort de les écraser pour qu'elles soient plus mangeables, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.